Regardez au sol, ça peut faire pression d'enfer.
là-bas. Les poteaux, ils vont aussi quand même. On a passé à 42. Donc comme vous le voyez, on roule actuellement à 340 km/h, hein, donc au-delà de la vitesse commerciale. Donc on va aller jusqu'au point kilométrique 0. Donc le point kilométrique 0, donc, c'est le début de la ligne à grande vitesse à Villers-les-Pots. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le trajet qu'on effectue aujourd'hui, les tests consistent à passer le raccordement de Villers-les-Pots qui va nous permettre de nous raccorder sur le réseau ferré national pour rejoindre Genlis. Donc ce raccordement est passé normalement à 160 km/h par les trains commerciaux et là il sera également à valider à vitesse supérieure, hein, et donc c'est techniquement parlant, on va dire, c'est ça l'opération la plus délicate, hein, passer un raccordement au-delà de la vitesse de 160 km/h, parce que rouler tout droit si vous voulez à 340 c'est pas forcément compliqué, par contre effectivement passer un raccordement avec une vitesse légèrement supérieure c'est techniquement plus complexe. Donc voilà un peu toute la complexité du voyage d'aujourd''hui. Et donc à partir d'ici s'achève la ligne à grande vitesse et on s'engage donc sur le réseau ferré classique.
Vous voyez 172 km/h, donc 10% au-dessus de la vitesse classique sur ce raccordement.